Golf Mag vous est présenté par Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf Royal New Kent en Virginie. À Golf Mag cette semaine, on vous amène entre Richmond et Williamsburg en Virginie. On va vous faire découvrir le Royal New Kent, qui a ouvert ses portes en 1997 et dès son ouverture, il a reçu une panoplie d'éloges de la part des magazines spécialisés. 4 ans plus tard, soit en 2001, le très célèbre Golf Digest lui a même attribué la 3e position en ce qui a trait aux terrains les plus intéressants à jouer ici en Virginie. En 2017, le Royal New Kent fêtera son 20e anniversaire et, semble-t-il, il a très bien vieilli. Alors, installez-vous confortablement. On vous propose un très beau Golf Mag au cours des 30 prochaines minutes. Le Royal New Kent est vraiment un grand défi de golf. Il s'allonge jusqu'à 7119 verges des départs arrière avec une normale 72. Son slope est de 149 avec un rating de 75,7. Il a été construit sur un très grand terrain. Ici, il y a de la place. Les allées sont larges, les illusions d'optique nombreuses, offrant un parcours de type links. Un des plus beaux trous est le premier. On dit ici qu'il est aussi excitant qu'une balade en voiture sur l'autobahn. Cette normale 4 propose un coup de départ avec un immense dénivelé de 75 pieds vers une allée rappelant une caverne. Le vert est à 2 paliers. Le trou numéro 18 propose beaucoup d'eau. Les longs cogneurs vont s'élancer du tertre de départ afin d'atteindre le fond de l'allée. Il leur restera un coup de fer court au vert. Les golfeurs aimeront regarder les joueurs terminer leur ronde depuis la belle terrasse surplombant le vert du 18. Le Royal New Kent, c'est un peu la représentation des links d'Irlande, mais ici, aux États-Unis. Ceux et celles qui ont déjà eu la chance d'aller jouer outre-mer, dites-vous que ça ressemble beaucoup au Royal County Down ou au Ballybunion. Ou plus près de chez nous, au Québec, si vous avez déjà joué le parcours Irlande à l'île de Montréal, mais sachez que c'est très similaire. Il y a cependant un mais. Le mais est celui-ci. Il y a beaucoup de coups à l'aveuglette, ce qui rend le parcours assez difficile pour une première fois. Comme par exemple ici, ce trou à normal 4, le 4e, il peut se jouer jusqu'à 455 verges. Mais vous le voyez derrière moi, il n'y a à peu près aucune cible évidente. Mais quand on le sait, derrière ce monticule d'herbe naturelle se cache une allée aussi large que la longueur d'un terrain de football. Alors quand on le sait, c'est beaucoup plus facile de s'élancer en confiance. Mais après ça, le travail est loin d'être terminé. Il reste quand même une bonne distance à parcourir, souvent avec une cible un peu plus haute. La bonne nouvelle ici, c'est que les verts sont immenses, mais attention, le travail est loin d'être terminé. Il se cache plus d'une centaine de fosses de sable sur le terrain. Vous avez intérêt à les éviter. Notre conseil de golf de Jérôme Blais est enregistré sur les sites du club de golf L'Express, fier partenaire de Mulligan International, balle de golf récupérée. Bonjour, aujourd'hui, je vous parle de l'importance d'avoir une bonne prise sur le bâton. Vous avez tous entendu parler d'une prise forte, d'une prise neutre ou d'une prise faible. Donc, quelqu'un qui a une grippe faible, avec la main gauche pour un droitier, va avoir pratiquement aucune jointure sur le dessus de sa main et sa main droite va être refermée très fortement vers l'avant. Ce qui fait en sorte que ça me donne peu d'espace pour faire une bonne rotation avec la face du bâton. Beaucoup moins de possibilités d'avoir un bon fouet de bien faire une rotation de la face du bâton. Si à l'inverse, je vais chercher une grippe forte, donc une main gauche très forte où est-ce que je vois 3 à 4 jointures et la main droite qui est complètement penchée vers la droite, ça me donne beaucoup d'action de main. Regardez la face du bâton, comment est-ce que je peux la tourner. Donc, je vais me donner une balle qui va aller à gauche, des gros hooks. Ça me donne plus de distance. Par contre, c'est plus difficile de contrôler la direction. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir une grippe neutre. Donc, avec ma main gauche, je vois 2 jointures sur ma main gauche et ma main droite vient recouvrir mon pouce, ce qui fait en sorte que les 2 V que mes pouces créent viennent pointer l'épaule droite. Avec ça,
J'ai juste assez d'action des mains pour avoir de la puissance et je suis pas trop faible pour bloquer tous mes coups sur la droite. Donc, une grippe neutre. On voit deux jointures de la main gauche pour les droitiers. Puis on installe les deux V qui pointent sur l'épaule droite. Alors, en résumé, ce qui est important de retenir, c'est qu'une grippe faible va me laisser des balles hautes et à droite. Une grippe forte va me donner des balles plus longues et à gauche. Et une grippe neutre devrait me donner des balles assez droites autant que possible. Sur ça, bon golf! Laissez-moi vous présenter le professionnel ici au Royal New Kent, Lester. Lester, it's a pleasure for us at Golf Mag to be here at the Royal New Kent. First of all, how long have you been involved in this property? I've been with the company for 6 years, been here at Royal New Kent for 4 of them. And basically, you know, we try to get people to understand that they might not shoot their best score their first time here, but they will enjoy every single angle of scenery. And actually, we're going to play our most photographed hole, our signature hole, number 7, right now. Lester, lorsque nos golfeurs du Québec viennent ici, ils peuvent s'attendre à quoi exactement? Well, it used to be number 16 on America's most difficult public golf courses. So there's nothing like this on the entire East Coast. It's a links-style golf course meant to look a lot harder than it really is, but you do have to play it a few times to get to know it, where you can miss and where, you know, where to find your ball in some instances, but definitely a great experience for all levels of golf. We've got a set of tees for each, you know, level of handicapper. And as long as you're playing the correct set of tees, then you will enjoy yourself and you will see plenty of the golf course. What is your favorite hole? My favorite hole is number 1, actually. Why? Well, like I said, when we see people driving away from the clubhouse, it's like going up the hill on a roller coaster. We see them going down the hill and they're in for a wild ride that starts off with holes 1, 2, and 3, which you will see here eventually. What type of grass does this golf course propose to the golfer? Well, the majority of it is 419 Bermuda grass. That's basically our tee boxes and fairways. The rough is a Meyer Zoysia, which the ball actually sits up very nice on that. And then our greens are a Crenshaw bent grass green from a string from the late 90s. We try to make it as playable as possible. Sure. Whenever we can. Thanks very much. Absolutely. Are you ready to play the hole of the week? We certainly are. Let's go. On s'en va au trou numéro 7. Notre trou signature cette semaine est une belle normale 3 de 207 verges. Il faut vraiment être précis sur ce trou car il est très bien protégé. Des fosses de sable, des ondulations de gazon, du hors-limite, tout y est pour rendre ce trou intéressant. S'il vente, attention, soyez attentif quant au choix de bâton. Je dois vous avouer que je suis particulièrement excité de jouer le trou numéro 7 ici au Royal New Kent parce que c'est non seulement une belle normale 3, mais elle est aussi un peu intimidante. On est surélevé. C'est vraiment un trou magnifique, Lester. Well, this is actually a perfect representation of Royal New Kent all in one hole. You've got your visual intimidation. You've got your wide landing area that looks very small from the tee. You've got your force carry. You've got a lot of undulation to the green. Yep. It's a three-tiered green. Looks pretty flat from here, but actually there's a lot of hidden breaks that you'll see once you get up there. You've got the creek that comes all the way along the hole on the left. However, again, for most golfers, we miss to the right. There is a giant area, collection area to the right where you can miss once you get past the visually intimidating bunkers that you see from the tee. Okay, tell me about this great target. The green is so wide. Is that typical here? Yes, basically from the tee, everything is very, very visually intimidating where it doesn't look like there's a lot of room to move out there, but you've got wide landing areas, you're hitting into big greens. This green here is probably about 18,000 square feet. Oh, wow. From front to back. However, the angle at, that it's at from the tee does make it a little more challenging and it does invite the bunker and again the creek on the left to come into play with a miss hit. Is there any kind of optical illusion over here? Because it seems to me that those bunkers, the red or the brown one on the right side, look very close from us.
Yes, they do come into play for some of us, and we want to make sure that if you do get into those, that you are severely punished. That's a much harder sand to get out of. The bunkers next to the green side are certainly your more typical bunkers with the fluffier sand, but again, they're more so there just to kind of play a mind trick on you, maybe get you a little nervous before you tee off, but I guarantee you, for most of us, they do not come into play. Man, tell me on the left side what it is. Is that a river, a natural area, what it is? Well, that is a creek that runs all the way along the entire hole, and that is where the force carry comes in. The angle from the tee box here does force you to carry. If you are going to go at the flag, it does force you to carry that, you know, at least 190 yards anywhere to the left of that. You might end up lucky and end up short, but again, anything to the left, no good. Can't miss to the right. Visually very intimidating, but actually, like I said, you've got a lot of area to miss the ball to the right down there. Okay, great. Well, you know what? I'm a little bit nervous today because it's a brand new golf hole for me, and we have a great challenge because we're from the Gold Tees, and it's 203 verges. J'ai quand même une bonne distance. So what will be your choice of club today for here? Well, I'm going to hit a 5-iron because you want to be a little short of this flag. You don't want to attack the flag. Just like the rest of the golf course, you don't want to really go after flags. You want to play your ball into a spot on the green, these enormous greens, where you're going to leave yourself with somewhat of an uphill or a flat putt. Right. Not a lot of flat putts on the golf course, but again, you do want to play a little short here. So I'm going to hit a 5-iron just to the top of that hill and let it run down. So you know the course very well, the hole very well. I'll let you hit first. Great. Good luck. Thank you. For our viewers, Lester, as a professional, what is your normal routine before a shot? Well, I like to concentrate on breathing. The body doesn't work without oxygen to the brain, so I do concentrate on the longer, deeper breaths before I hit. Usually I do about 2 step and goes before I go, before I address the ball, because I like to try to get my tempo and rhythm in check. Okay, and I make sure that I do bottom out, because if we go up and obviously we don't bottom out in our practice swing, we're not gonna bottom out in the proper area before we hit the golf ball. Once I'm ready, again, I am playing, I'm gonna play the ball right to left off the greenside bunker on the right. And so I've got basically my ball in line with that bunker, and we're gonna go ahead, we're gonna breathe, and we're gonna give it a go. Go. Nice rhythm. Good swing. Good swing, Lester. Okay, I think that's gonna work. Yeah. Assuming you have a 5-iron as well? Yeah. Excellent. Je vais essayer de répéter essentiellement ce que Lester a fait parce que ses explications étaient très claires. C'est à vous aussi de peut-être mettre ça en pratique ou d'incorporer vous-même votre propre routine. La mienne n'est pas compliquée. La même cible un petit peu à droite. Je me donne un point intermédiaire également devant ma balle qui correspond à ma ligne. Et puis, on laisse aller. Beautiful shot. Good. Good shot. We'll see ya. Restez là. Après la pause, on poursuit le trou signature avec Lester Poole au Royal New Kent. C'est vraiment un trou très spectaculaire ici, n'est-ce pas? Yes, absolutely. This is one of our most photographed holes on the golf course. It's certainly our signature hole for par threes, and the views never get old here. Any time of the year, this is definitely one you won't want to miss.
Malheureusement, il n'y a pas de voiture à gagner aujourd'hui. Oh, great, Lester. Two great golf shots. Two great looks at birdie. I hope so. Now that we're down here, you can really see the undulation of the green. Yep. Looks flat from the tee, but you get up here and you see all the different hidden breaks. That's true. And it's so large, so wide. I like to play in those conditions. J'adore jouer sur des verres aussi grands, de belles grandes cibles. I'll take care of the flag stick, Lester. Thank you. Lester, durant la saison, quelle est la vitesse moyenne, la vitesse normale de vos verres? Well, typically we would keep them running between a 10 and an 11. Anything above 11 would become somewhat unplayable, depending on where the pin position is on that particular hole, and that would certainly affect our pace of play. Well, we left ourselves two really good chances of birdie on a very flat part of the green. We are putting uphill, so I like our chances for birdie here. Okay, take your time. Read your putt as your normal routine is. Lester, à quoi ressemble ton roulé de cette position? Well, I think it's going to be about a quarter cup to the right, and it's all uphill. I'm going to take a couple of deep breaths, and we're going to give it a go and hopefully make a nice birdie. Knock it in. Good stroke. Come on. Good putt, though. Okay. Good par. Thank you. Well done. Thank you. OK, mon tour maintenant. Yours is slightly different. Yeah. I think yours is actually going to be maybe a little outside left. That's true. Comme Lester l'a dit, je vais avoir un roulé un petit peu de gauche à droite en montant légèrement. Alors, je vais lui donner un coup. Là, j'ai une cible intermédiaire qui se trouve approximativement ici. Je vais essayer de viser ça un petit peu à l'intérieur. Et de cette façon-là, j'espère qu'elle aura la bonne vitesse pour finir ça au fond du trou. Almost. Je pense que la ligne est un petit peu plus droite que ce qu'on l'avait vu. Alors, deux belles normales ici, je pense que c'est très satisfaisant. Lester, two pars here. We have to take we'll it take anytime. Two pars. Huh? Two Thank pars? You. Absolutely. Oh, wow. It was very nice to play this seventh hole with you. Excellent. Thank you, Lester. You're very welcome. It's been a pleasure to have you guys out here. It's a pleasure. And je vais inviter évidemment vous à la maison, nos téléspectateurs de Golf Mag, à venir découvrir ce bel endroit, le Royal New Kent. Vous allez découvrir un golf extraordinaire avec des points de vue vraiment spectaculaires. Thanks again. You're very welcome. Thank you. Lors de notre séjour, nous avons eu le bonheur de demeurer dans l'un des établissements de la famille Diamond Resorts. Le Historic Powhatan Resort est tout indiqué pour les golfeurs, mais aussi pour les familles. Vous aurez aussi l'opportunité d'en apprendre davantage sur l'histoire coloniale américaine avec ce manoir restauré datant de 1735. Les unités de trois chambres du Powhatan Resort sont bien équipées et l'accent est mis sur le confort. Le resort se retrouve sur une terre de 256 acres et offre plusieurs services: piscine, jacuzzi, centre d'entraînement. Afin d'apprécier pleinement votre partie ici au Royal New Kent, je vous suggère fortement de jouer ce parcours-là au moins deux fois, question de bien l'apprivoiser et de constater qu'il se joue tout en subtilité. En difficulté, certes, mais c'est tellement un parcours spectaculaire. Et comme on vous l'indique clairement dès votre arrivée, assurez-vous de partir des bons jalons
question de pleinement apprécier votre expérience golf ici. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine. Bon golf, aimez notre page Facebook Golf Mag, suivez-moi sur Twitter et on se retrouve très bientôt sur un autre beau parcours. À bientôt. Golf Mag vous a été présenté par Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Cette émission a été rendue possible grâce à Virginia is for Lovers. On se laisse avec notre citation de la semaine. Elle nous vient cette semaine de Bob Toski, qui est un professionnel, un enseignant, et il a été intronisé au Temple de la renommée du golf en 2013. Il nous a déjà dit ceci à propos du golf. Le golf est un sport pacifique qui se joue violemment de l'intérieur. Bonne semaine.